Ah, je suis peut-être un peu décalé là. Faudrait que je sois comme ça pour vous. Non, mais c'est bien là. Faut que je vous décale quoi. Là, c'est bien. J'ai vraiment l'impression que cette épaule est vachement en retrait. Genre là, c'est bien. Là, je suis comme ça. Ouais, si, c'est logique. Non, mais j'ai pas envie de me. Pff, si, je peux bien faire ça, vous voyez. Ah mais du coup je suis mal installé. Matez-moi cette tunasse. 21 616 080. Et non on dit pas 0,80. Mais juste 80 ça suffit. Hop, on va baisser la luminosité de ce téléphone parce que j'ai l'impression de m'éclaircir. Enfin, de m'aveugler, de m'éclaircir. Mettre un câble. Hop, et c'est parti. C'est parti, bon, on a un petit peu de thune. On a un petit peu de machin. Ah bah. J'ai remarqué un truc. Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, est parti pour quelques heures de fable. Tais-toi, toi. Les gens m'aiment pas. Regardez. Je passais dans la rue. Peur. Neutre, neutre, ok. Neutre. Peur. Peur, peur, peur. Ça me fait de l'XP, mais c'est pas grave. Peur. Mais pourquoi ça me donne de l'XP? J'ai fait quoi? Peur. Peur, mais what? Bon. Et je comprends pas pourquoi les gens m'aiment pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mis des loyers un peu chers, parce que je volais aux riches? C'est bien, c'est que ça m'a donné des machins. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour faire des quêtes. Marché de Bowerstone, j'ai encore des quêtes méchantes. C'est quoi la troisième quête? Elle est où? Ah, c'est le garde. C'est ça. Mais on va faire des quêtes principales. On va faire des quêtes principales surtout. Captain Swift, Coward and Traitor. Je dirais pas ça. Révolutionniste et traître, Howard. Coward and Traitor. Industrie de Bowerstone et c'est parti. Et pourquoi j'ai parlé là? Ah merde, j'ai fait la TP sur la carte, pas sur la petite aiguille de carte. Un bel endroit qui rappelle énormément du steampunk quand même, hein. Enfin, ça manque encore 2-3 trucs pour que ça fasse steampunk steampunk. Mais on est plus sur du révolution industrielle un peu avancée. Ouais. Mais bon. Et pourquoi ici j'ai pas tableau de bord? Voilà. Me saoulez pas avec votre machin. Je sais pas, ils m'ont fait mettre le retour. Bon, on est parti quand même pour jouer un petit peu, non? Si. Ce trajet. Laissez-moi bondir. Non. Alors là, c'est une honte. C'est une honte de pas bondir ici, quoi. Bon, on y est ou pas? On y est. Non, si, si, là. Attendez, j'ai faim. J'en veux, hein, j'en veux. Tourtin, 900, putain. On arrive. Oh, ça se mange vite, hein. Ah, il y a lui. Putain, mais ils sont tous venus. Je sais pas qui c'est. Bonjour. Ah oui, Swift. On a loupé des trucs. Non, si, c'est Swift. J'ai pas vu la torture, hein. Ça, c'est une attitude noble. Bah ouais, il a rien dit, wesh. Oui, j'avoue. Et pendant ce temps, moi, je fais des tours. Bonjour. Nous savons exactement les trouver.
Et alors? Eh bien, il s'agit de Smith. Et on peut dire qu'il nous a pas par quatre chemins. Comment ça? On est des alliés à Aurora. Ah, bon, pour une fois, on y va. Quelqu'un pourrait nous aider là-bas. Aurora, ça date, hein. J'ai un bon souvenir, donc vraiment, j'ai envie de mettre mon épaule en valeur. C'est vrai qu'Aurora, je m'en rappelle. Cela reste néanmoins notre seule piste. Et si on s'en tenait au plan? Je suis impatient de tirer sur quelqu'un. Tout d'abord, il nous faut un Toi et poste Ben, allez d'observation trouver un port pour être d'Ocupage, moi, sûr je... que... Laissez-moi vérifier que le reste de la flotte ne suit pas. Je devrais passer par les nuages. Putain, ouais, je me rappelle d'Aurora et tout, avec les meufs du désert. C'est-à-dire, j'ai des souvenirs d'Aurora. Bon, bref. Mais pourquoi tu me proposais ça? Pourquoi tu m'as pas proposé la TP? Attendez, faut que j'aille faire sortir le chat. Bougez pas. Oui, tu voulais dire? C'est bien pour toi? Ne pas te déranger? Non, bah, je te montre quoi. Pardon. Oui, bah oui, se rendre au portail de sortie. Plus longtemps de chargement de portail de sortie que d'y aller, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit accès, je sais pas, ou une autre touche que là, j'aurais ici. Ils savent s'y faire. Donc mon arme a bien eu reçu l'amélioration d'amitié là où on s'est fait trop d'amis et dont la moitié qui nous déteste maintenant, j'ai pas trop compris. Je pense que c'est vraiment lié à la thune. Défaite. J'en ai eu 23. Genre défaite mourée. Suivez Benfiche. Oui bah du coup j'ai perdu Benfiche de vue. Pardon, excusez-moi. Pas être du agréable pour vous. Du coup Benfiche il est parti. Benfiche. Ben Finn plutôt est parti à l'autre bout. Merci pour cette sauvegarde impétueuse et aléatoire. Je suis là, je suis là. T'as fait la moitié du trajet sans moi, je sais. Industrie de Bowerstone, ok. Épouse, époux actuel. Ouais, on va se marier, on va faire des orgies. J'ai tout prévu. Quand je fais ça, vraiment. Cette caméra qui a une mise au flou digne, mais digne de rien. C'est de la merde. Non. Bon, si je l'écoute, allez, dis-moi. Bah sinon on y va quoi. Ah. Bon, ça fait quand même une zone à méchants. Bonjour. Stop. Seule la garde Ah, royale coup est dur. armée. Je sais, mais si je puis me permettre, waouh, vous êtes très classe. Avec les casques et tout l'équipement. Mon ami et moi, on se demande Face, si on peut parce pas que faire face à quelque vous, on se chose sent nul, face mais... à vous. On sent nul, nous, les soldats de base. Déguerpissez. Allez, vous avez bien des prospectus et peut-être même des candidats Meilleure intéressants. idée. Vous pourriez nous laisser entrer pour nous signer des autographes? On est de grands fans. Partez si vous ne voulez pas Putain, mourir. il est chiant en plus, le garde. Vous voyez, même leur vocabulaire est idiot. Oh merde. Comme Oh merde. Bon, bah fallait pas tirer je crois. Bah ça c'est rien. Mais pour une fois on tape, j'ai envie de dire. Ah, soldat d'élite, j'en ai que 300 et Quentin on a 4000. Ah il est mort. Ok. Ah non, le chien l'a fini. Ok. Ça marche aussi. Il y a du monde par contre. Moi je voulais juste aller à Aurora. Mais putain. T'as vu, vous avez vu, j'ai acheté des légumes et des potions. Ça dégage. Faut que je tire avec ça aussi. Alors, faut que je tue des mercenaires et des hommes creux, mais ça passe. Oh, il est mort lui. Non, il se relève. Oh, je comprends rien. Ouais, on est parti pour jouer. Par contre, on va plutôt mettre un petit 13-4 plutôt qu'un. Oui, j'encaisse la douleur. Casse les couilles. Mais je voulais viser. Je vais manger un petit truc. Tu l'as pas fini. Je suis obligé de le finir à ta place. Ah Ben, Ben, t'es pas cool.
Maman Ben. Ben, t'es chiant. Vous me laissez ouvrir mon casque, mon coffre? Allez, on ouvre le coffre. On va à Aurora en tout cas. Limite, j'ai envie de finir le jeu avant le J-2. Vous voyez ce petit J-2 dans le ciel sur le stream? C'est quand j'aurai mon nouveau PC. Meilleur bondissement là, c'est un joli bondissement ça. Hyper smooth et tout. Et le nouveau PC qui va carry la game parce qu'on pourra faire du 720p. Là j'ai hâte. Ah ouais, ok. C'est quoi, c'est pour faire diversion? Très très bonne diversion. Ah oui, c'est pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas les poursuivre. Pas con. Ah tiens, le bateau fait steampunk quand même hein, avec ce moteur. Ouais, ça devrait les occuper un bon petit moment. Ok, c'était chez nous. Ou peut-être pas, ouais. Memphis qui serait pour lui-même. Ce one shot. Pendant que je me fais la moitié de la thune. Putain, mais il part bien lui. Alors là. Ok. Ok, ça dégage. Oh le bâtard. Non mais ça va, je prends des dégâts, j'ai du céleri. Ça dégage. Ok, petite explosion, petit coup, ça fait de l'XP. Mais putain, mais crève. Ah non, mais c'est. Mais sort en plus, il sert à rien parce que j'ai les sorts niveau 2, quoi. Alors, voilà. Alors. Non, si. Pff. Des fois, y a pas la mort. Enfin, la mort, c'est seulement quand tu sais qu'il y a de l'XP, quoi. C'est ça qui est chiant. Victime m'a aimé. Oh, je vais battre R machin. Salut Walter. On a tué quelques personnes. Bah sûrement oui. On est passé à 4 jours de jeu. Ouais? Ok, vous allez pas sans moi. C'est où, c'est où, c'est où? Je sens que c'est lui. Stylé. Ça fait steampunk quand même. Ouais, hein? Attends. Tu proposes lequel? Parce que je suis parti, moi. Désolé. Non, mais dites-moi, moi j'étais parti visiter le bateau. Ah. Ok. Stylé comme bateau. Moi je le trouve hyper beau. Ah, voyage pour Aurora. Gora, j'ai des souvenirs comme quoi ça faisait quand même une partie de l'histoire et c'était stylé. Et on va trouver des alliés surtout. Bon, des alliés, je pense que ça va être genre, je sais pas, un roi ou une connerie. Aurora. Putain, allez, cette image est très jolie. J'ai plus d'eau, j'ai faim, j'ai envie d'aller aux toilettes et on est parti pour 2 heures de stream. Non, vous inquiétez pas. Quand je couperai la VOD, j'irai chercher un petit peu d'eau. Putain, c'est. Matez-moi ces animations hyper stylées. Ouais, niveau son, niveau machin, ça a l'air d'être bien. Ah! Ça a l'air d'être méga bien, ouais. Par contre, on se fait. Voilà. Voilà. Du coup, on a pris un autre bateau en scred ou on s'est juste fait def la race? On s'est juste fait def la race. Ok. Ah bah là c'était une pulvère mais genre violent. Ouais Ben. Et genre moi. Réveil douloureux du héros. J'espère juste bon que tu t'es échoué ailleurs. Bah j'espère aussi. Rives inconnues.
Ah oui, c'est vrai que lui, il a vraiment pas de chance là-dessus, quoi. Il a traversé que des petits endroits. Oh non, c'est... Ouh, c'est pas une petite grotte, ça. Des... stalactites. Et ça, là-bas, là, c'est un stalagmite. Tite, mite. Genre, il doit pas sortir un fuck sur la version VOR. Version VO. Il sort un fuck. Ouais, non. C'est mon chien déjà. Ah, il me casse les couilles, Walter, là. C'est bon. Est sur moi jouer sur une plage de sable fin avec tes palmiers et des jolies filles. Il casse les couilles, Walter. Ouais, vraiment, il est en mode énormément. Ouh. Ouh, là. Bah c'est de l'argent. Ouais, j'aime pas bien ça. Ah non, pas de bondissement. On y va? Je te suis. Ah oui, c'est vrai que quand tu lui passes devant, il accélère sa mère. Bon, on y va, on y va, on y va, je suis chaud. On n'est pas allé si loin qu'on a rallié autant de gens pour simplement mourir entre oubliés. T'inquiète, j'ai un marteau qui a des dégâts. Toujours pas de bondissement disponible. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Ça sent les squelettes là. Ça sent les hommes creux. Par contre, c'est. What the fuck? Oh! Oh, j'ai flippé ma race. Je suis là. Hop là. Là, regarde, tu marches dessus. Imagine là, ça lâche maintenant. Ok, fouiller le corps, ça parle de quoi? Un petit peu. On va se sentir qu'ils vont spawner. Nous savons à présent que que nous pourrons jamais lui échapper. Le mal chelou là. Eh bien, on lit encore des symboles bizarres. Mais bon, surtout du charabia, oui. C'est lui qui active le portail? What the fuck? Donc ça veut dire que les ombres à la fin du jeu, c'est nous qui les activons ou... Ouais, ça me semble pas joyeux. Pourquoi? Pourquoi? Non, si, si, on va y aller. A l'air d'être long comme escalier là. Mais pourquoi déjà il a lu cette phrase, c'est ton cul de mort? Tous deux. Et on aurait pu juste aller chercher des alliés. Argent dépensé. Je suis qu'à 46 millions. Bon, je sais pas dans quoi d'autre mettre mon argent. La plus totale et la plus complète, oui. Qu'est-ce que tu fais, le chien? J'avoue, le chien il est en mode décomposition. Ah, c'est une torche. Là, ça fait plaisir. Par contre, si c'est que toi qui as la lumière, t'inquiète, moi j'ai ça. Il pleut de la lumière blanche, on peut dire. Donc, ténèbres incarnées. C'est-à-dire, c'est nous, on a activé le machin. Suis un peu perdu. Ah, parce que si on a activé l'endroit, c'est-à-dire qu'on a activé les ombres, qu'est-ce que c'est? Bon, on passe à droite, enculé de tes morts. On est en mode. Ok.
Oui, t'inquiète, j'y vais. Retourner voir Walter, j'en ai marre. J'ai envie d'y aller, moi, j'ai envie d'avancer, il casse pas les couilles. Merci pour le prime, de rien. Trouver le moyen de sortie. Et moi, je peux pas y aller? C'est à lui, ok, c'est à lui d'y aller. Mais putain, c'est à moi d'y aller. Ok. Pas facile tous les jours. Ça prend 2 minutes, hein, je comprends pas pourquoi on est une scène de 15 secondes. Ah oui, non, mais je suis censé run doucement et tout, mais bon. C'est un levier. Vachement moins de bruit, ça, hein, vraiment. On a activé les ombres. En tout cas, ça fait un joli petit pont. T'aurais pu juste suivre, bondir toi-même, hein. Culé. C'était quoi ce bruit? Ouais. Non, non, moi je l'ai entendu. La musique qui dépasse le bruit, mais il y a moyen. Comme quoi on atterrit sur la seule plage avec le seul trou, il est la bonne phrase pour activer le portail, bon. Enfin la seule grotte et tout. Et c'était, je crois, les ombres qui étaient enfermées là-dedans. Oui, là-haut, culé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu lis des phrases? Tu veux pas laisser les gens tranquilles? Bon, on a juste invoqué les ombres, mais c'est pas grave. Oui. Pourri, putain, mon héros qui répond une fois sur 40. Je vais te suivre. Va, Waller. Water. Éclaire-nous de ta lanterne. Hein? Comme quoi, c'est nous qui avons activé l'ombre pour l'instant. Pour l'instant, c'est l'interprétation que j'ai. On a ouvert les portails. Mais si c'est nous, vraiment t'es un enculé, Walter. Ça se one shot. Ça se one shot. On tue 3000. Non mais Quentin. Quentin, t'aimes bien le jeu. Quand même, ça va vite, hein. C'est les ombres. On a activé les ombres. Ok. Ok, par contre, votre cher, voyez comme vous pensez surtout le machin. Oh là là, heureusement que ça se one shot, mais bon. Le soleil ne va plus jamais pour vous voir maintenant souillé, cassé comme des jouets. Flippant, loader. On va bien, on doit juste continuer. Oui, on va bien, on a activé les ombres qui va protéger la planète, mais bon. Oh, le chien qui les flippe sa race là. Le chien il est pas bien. Donc je souhaite un anniversaire à ma soeur aussi. Ah non, c'est les chauves-souris. Ok, je suis chaud. J'ai quand même mon petit machin. Mais je suis chaud. par contre, c'est où? Ok, c'est là. Bon, on avance doucement. On le suit. Parce que là, c'est des chauves-souris. Flippant, mais c'est des chauves-souris. Oh.
Ok, j'ai cru que c'était des ombres. Mais non, c'est un drap. Par contre, c'est les ombres qui ont construit ça. C'est des bons architectes, les ombres. Hein. Chauve-souris, ils veulent te faire flipper. Peut-être clé en argent aussi? Mais c'est toi qui l'as lu! Mais parce que t'es conscient de ce que tu lui sais. Oui, moi j'ai compris. Oui. Non mais il est débile comme ses pieds aussi. On lit pas un bouquin comme ça là, mythologique ou je sais pas. J'entends un courant d'air froid. Non. T'es le seul, mais je suis là, je suis là. À gauche là, à gauche. What? Ok. Non mais sinon, je dois avoir une lampe moi dans mon machin. C'était pas joli à voir. C'est pas très joli à voir. Et du coup la lumière. Oui bah c'est toi qui as activé les ombres. Alors qu'on aurait pas pu. Ah. Ah. Ouais, tout ira bien. Ah. Et c'est donc nous qui les avons activés. Juste pour savoir. Non, mais genre Avenger l'ère d'Ultron, quoi. T'inquiète, je suis là, regarde. Je one-shot tout le monde. Je te laisse galérer dans ta merde. Et qui m'en mêlait, c'est dépassé. Bah alors, RJ, on pue la merde. Ah, Quentin, ok. Je ferme ma gueule la prochaine fois. Tout 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 tout. Ok. Non, c'est le one shot avec tout, hein. Il y a encore le boss là. Le boss secondaire. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Tout tout tout. Attends, par contre, en termes d'XP, on se met bien quoi. Bizarre, c'est des ombres, elles prennent les dégâts, mais elles sont quand même pas prises par les dégâts, chelou. Ok. Teresa? Prophétesse aveugle. Oui, c'est Teresa, Teresa Lisbonne. Oh, bien joué! Oh, trop bien joué. Oh. Non mais il y en a d'autres. Non. Ouais. Enfin, on a quand même... Je sais pas, il y a que moi que ça choque. Hein. Non, vous, ça vous choque pas, ok. Ah, c'est ça ton courant frais et ta lueur? Nice. Ah. Je sais, j'aime pas les grottes. Ah bah là oui, il a peur de ça. Flippant. Ok, mais on va où? On déverrouille les ombres et puis voilà, on se tire. Les ombres qui sont omniprésentes dans la grotte. Oui, mais ça va. Mais vas-y, à toi. Allez, viens. Allez, viens. La mise en scène était bof, hein.
Oula. 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 Oula, mais vous vouliez devoir souffrir, devoir tomber. Non, non, non. Moi je l'aimais bien, Walter. Je sais pas pourquoi tu pètes un câble. Par contre, les dégâts qu'ils font. Non, mais lâche-moi. Oh, la musique qui s'arrête, bah non. Non, non, elle va se réactiver dans 40 secondes. Ok, ça dégage. Ouais, mais c'est une bonne AOE en fait. Ça leur fait des dégâts. Ouais, ça marche. Regarde, tu jettes. Bon, ils se prennent pas tous le machin, mais quand ils se le prennent, ils meurent quoi. Ok, hop. Hop, hop, hop. Voilà, tout simplement. Vous êtes chiant. Donnez-nous à manger. Bah, oui, c'est ça, ils se nourrissent de la lumière, une connerie comme ça. Normal. J'ai envie de te dire, tellement normal. Aïe, nique-toi, tout simplement. Non, c'est tout. Par contre, ça, je passe pas. Dans la vraie vie, je passe pas. J'y vais pas. Allez, viens là, Waller. Où est-ce qu'il est, Waller? Pour dire. Petit combat de boss? Quelle descente. Il se nourrit très très bien. J'aime pas bien ça. Oh. Ouais. Hein? Ça parle des anciens temps ou pas? Est-ce que c'est un lien avec les anciens mondes? Parce que ces ténèbres là, on a l'impression que c'est une sorte d'entité qu'on, bon, des gens ont tenté de repousser. On va lire les livres de toute façon. Ok. Ok, cassez-vous, cassez-vous. Ok, cassez-vous, par contre. Hop là, petit coup dans les hélices, voilà. Ça va en jarter quelques-uns. On va passer au 100 machin. Ok, par contre. Voilà, ombre tuée si on n'a pas 8000 à la fin du jeu là. Putain, merde, j'ai des problèmes de micro. Ok, j'aime pas bien ça non plus. Il y a aussi des grands là sur les murs. Ah ok. Non, ça se détruit vite, enfin j'en sais pas. Par contre, si ça c'est pas steampunk. Oh, victime totale, on atteint les 10 000. Et Quentin qui est à 24 000, mais c'est rien Quentin. On a compris que t'avais que ce jeu. Oula, oula t'es mort. Ok. Putain, il y a du monde! Après, j'ai vu beaucoup de tenues. Casse-toi. Casse-toi! Avec ce bonus de dégâts, t'imagines pas? Clac! Alors là. Clac! Oh non, ça one-shot pas ça. J'aime pas quand ils font des ralentis alors que ça one-shot pas. C'est horrible. Putain, il y en a tellement. Ça c'était stylé. Oui, t'as faim. Non mais ça me saoule, ça one shot pas. Ok. Lorsque les ténèbres envahissent son âme, bah on t'inquiète, on va le sauver. Ok, fin du combat. Trop de musique, la musique elle pique un peu le machin, j'ai envie de te dire, parce qu'on n'entend pas le torture. Qui c'est?
Nice! Qu'est-ce que j'avais dit sur les tenues sur le côté, hein? Alors, par contre. Fuck! Alors là? Alors là? Sa perte. Ok. Du coup, au niveau du paramètre. Ok. Ok, c'est bon. Nice. Alors là. Oh ta mère, les dégâts. Ah, s'il me propose une potion au premier coup. Ok, je vais die. Ok, ça commence à invoquer. Alors là. Ok. Oh, ce combat de boss. Mets une barre de vie la prochaine fois. Là, c'est chaud. Pop des ads. Ah non! Bon, après, il y en avait 6. Il y en avait 6. Mais ça a l'air d'être en mode un petit peu le boss, quoi. Les ténèbres vont se répandre jusqu'à envahir le monde entier. Je sens que c'est nous qui avons activé les ombres. Je ne vois plus. Je sais pas. Ah oui. Ouh, t'es pas Jo. Ouh, c'est pas Jojo. Tiens. Oh non, c'est. Alors là, ça va être chiant à conduire. Si là, j'ai pas 300 sauts de la guilde, je pète un câble. Oui, mais j'ai pas faim. Allez, accélère. Oui, t'inquiète. Tu vas die, toi. Je le sens. Je me souviens surtout. Pas de spoil. On est là, on y arrive, on y arrive. On arrive au sable mouvant avec DS. T'inquiète pas. Plus d'argent possédé, je suis à 22 millions. Quentin, Quentin est 31 millions. Quentin, il va falloir qu'on parle. Je t'inviterai sur le groupe une fois. Bon, je connais pas ce Quentin. Enfin, si, j'ai déjà joué avec lui. Mais voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, quoi. Alors, sécurité, c'est un gros mot. Moi je vois une carte de Mario Kart qui s'appelle Désert Sac-Sec. Hein. C'est cité, mais le nombre de missions qu'on fait là. Tiens, tiens-moi la main. Mais il semble toute la lumière qui était en moi. Ah. Du coup, t'es méchant? Si, si. Ou tu me suis sans que je te tienne la main, comme quoi tu sais marcher. Et pourtant, il les monte 3 par 3, quoi. Sable mouvant, à quoi ça ressemble? Eh ben, c'est grand. C'est grand, mais c'est beau. Ah. Il n'y a aucun signe de civilisation. Ouais, il n'y a rien en civilisation, là. Best quête principale forever, hein. J'avoue, mais ça a deux bornes. Hein. Respire avec difficulté. Cela va nous prendre quelques heures. Ah. Pendant qu'il voit rien, ça va être compliqué. Non, arrête, arrête, je ne peux pas. Je. Je ne vais pas que te ralentir, je vais te tuer. Tu dois continuer sans moi. Bah bien sûr que oui, on va l'aider. On va pas l'abandonner, Walter. On est gentil. Tu ne peux pas me sauver. Je suis perdu. Il ne faut pas dire ça. Pour laisser tomber Walter, appuyez sur LT. T'inquiète.
On a tout le temps du monde. Tu vas m'écouter. Tu dois me laisser ici. Cette chose t'a affaibli, toi aussi. Tu crois que... Mais non, mais je vais très bien, j'en ai def la moitié. Ce que tu as à faire est trop important. Vieux débris, va. Ah, on ralentit de plus en plus. Il faut que tu continues sans moi. Plus on aide, plus on ralentit. Je n'y arriverai pas sans vous. Allez. On t'abandonne pas, Coco. Allez, au roller. Tout va très bien se passer. Je reviendrai vous chercher. Je vous le promets, avec des renforts. Je vais être fier de toi. Oui, j'en suis sûr. J'arrive te sauver, t'inquiète. J'arrive. Excellent jeu. Avec toujours la musique qui est en arrière-plan, mais pas tant que ça en fait. Un peu chiant. J'ai quand même envie de laisser une part de musique. Bon dire. Oh. Pff. Alors là, c'est trop tombé. Six mousse. Ah, par contre, là, avec le désert. C'est pas joyeux à traverser. C'est pour ça à l'île de Knocknockleid. Le 2. Moi je suis prêt pour les. Où es-tu? Je ne vois rien. J'ai besoin d'aide. Pitié. J'ai perdu la. Ah. Tout est sombre et vide. Venez-moi en aide. Comme quoi le tortureur est encore par là, hein. Pardon. J'ai vraiment eu un petit coup de peur. Mais what? Allez, personne passe. Putain, dans mode libre, on va chercher des alliés, genre atteindre le village, une mission qui s'appelle atteindre le village. Et en fait, non. Ok. Si, si, je veux bien. Hein. Reste dans ton coin. Mais je suis prêt. Oh. Allez, crève. Crève. Ah, moi, je veux bien le finir. C'est si flippant. Mais je m'en bats la race de ça. Ils sont juste venus faire sauter et ils nous ont enfermés à coup dur. Ils ont juste fait sauter l'entrée. Ils nous ont enfermés. Et comment t'as survécu? On a passé 3 jours dans cette grotte. 3 hommes qui étaient dans le mouroir. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'es claustro? C'est pour... Je pense qu'il y a une raison pour laquelle il est claustro maintenant. Où j'y aille? Ah. Vous êtes aveugle, vous êtes déjà ah. Moi aussi? Ah. C'est horrible vraiment là, c'est. Ouah. Ah, j'ai bien entendu. Ou alors appartient. Oula! Il est toujours en vie. L'autre ne doit certainement pas être loin. Ah, salut Ben. Un petit somme au soleil, c'est typique de la royauté. Je vais poser du souci pour vous, moi. Ben! Walter, ne vous inquiétez pas, on va le trouver. Ne bougez pas, mon ami. Salut, toi, t'es qui? C'est lui, notre allié? Oh, elle, pardon. Elle. Oui, c'est à la voix que j'avais reconnue. Parce que le prénom faisait vachement mixte, hein, si j'avais bien vu. MST, meilleur, voilà.
On arrive à Aurora, premier truc, MST, cool. Non, il n'y a pas de client, ne vous inquiétez pas. C'est beau, Aurora. Hein. Vous pouvez aider? Le plus jeune s'en sortira bien. Il est sacrément solide. Merci. Kaline. Ah oui, Kaline, si, ça fait féminin quand même. Tenez bon, Walter. Allez, Walter, tu vas tenir. Petit village, petite bourgade. Un 51 Evelyne. Un Brétigny-sur-Orge. Je donne que des villes qui ont déjà été citées. On va tout racheter. Non, on rachète tout, c'est sûr. Je pense que là, il y a de quoi racheter. Mais je sais pas si j'aurai le budget. Si je me rappelle bien, c'est bon, j'ai le budget. Si je me rappelle bien, c'est quand même un petit peu plus cher. Salut. Moi, c'est Kaylin, et vous êtes dans la ville d'Aurora. J'espère que vous avez du temps. J'ai tellement de choses à vous dire. Walter, comment va-t-il? Il a beaucoup de chance d'être toujours en vie. Et nous connaissons bien le mal dont il souffre. Je pense qu'on devrait pouvoir lui donner vie. Y-t-il d'autres amis à moi ici? Je crois avoir vu des Ben. magnifiques soldats répondant au nom de Benfi. Vous n'êtes pas encore. Oh putain, l'autre, il est monté sur la table. Ouais, t'inquiète. Ouais, tant que j'ai mon marteau. Ils m'ont laissé mon marteau dans le dos quand même. Ouais. Attends, bah je voulais voir où est-ce qu'on était. Attends, il faut. Tout. Déjà, pourquoi t'as une porte comme ça alors t'aurais pu juste faire un. Piston de chaque côté, je sais pas. Un double extender, une connerie comme ça, si tu veux faire du 4x4, c'est pas grave. Oula, on s'était mis juste devant. Cité de quoi acheter, surtout. C'est l'œuvre du tortureur. La créature que vous avez combattue dans les grottes du désert. Il est apparu voilà 5 ans et a apporté les ténèbres et la mort. Je vois ça. Ceux d'entre nous qui ont survécu n'ont cessé de vivre dans la peur depuis. C'est pour ça qu'Aurora, ils disent que c'est pas mal. Et nous ne pouvons pas espérer vaincre cette créature et son horrible progéniture sans une véritable armée, même avec Ok. comme vous à nos côtés. C'est pour ça. Je ne tarie pas d'éloges à votre égard, mais vous n'êtes pas le premier sauveur à se présenter ici. Je vous en prie, promenez-vous dans nos rues, Et ensuite, on en discute davantage. nous pourrons en discuter davantage. Allez-y, j'en ai déjà assez vu. Je vais voir Walter. Explorer Aurora, sérieux, c'est ça le truc. Par contre. Ok. Donc ici on a machin, les sables au mouvement, 5 clés, 4 nains de jardin, une clé en un. Et du coup Aurora. Pas à vendre pour l'instant, mais vous voyez. Y'a de quoi acheter. Petite vérification. Du coup, une clé en or dans les sables au mouvement. Quête. Père, je respecterai l'ensemble des valeurs. Moi, je vous laisse écouter. Face à la terrible machin des ténèbres. Ouais. Non, mais c'est long. Hein. C'est intéressant, mais ça parle des ombres. Salut. Salut, c'est long. Bah ouais, je vois ça. Et pourquoi tu me tutoies? Ma femme et mon enfant. Ah ok, tu fais une petite prière quoi. Mais si. Sur les statues, les portes d'entrée, à chaque endroit. Sur les statues, sur les portes d'entrée, à chaque endroit où une mémoire vaut la peine d'être honorée.
Quand vous aurez fini d'explorer la ville. Bah, pour moi, c'est un peu fini quand même. Bon, on va retourner voir Kathleen. Non, mais ça va être intéressant, mais c'est principalement lié aux ténèbres, quoi. Et puis, ténèbres, on a bien buté que c'était une entité méchante qui avait fait peur de fuir la ville. Mais belle ville, belle ville. Maintenant, vous savez Oui, pourquoi on a sauvé j'ai vu ça. Kathleen. Mais comme je l'ai dit précédemment, vous n'êtes pas le premier étranger à venir ici. Qui êtes-vous? Logan, ouais. Le roi d'Albion. Je crois que votre grand frère avait des secrets. Il partait, rappelez-vous, jusqu'à qu'il y a environ 4 ans. Jusqu'à il y a environ 4 ans. Lui aussi a affronté le tortureur. Il Et a même réussi frôlé la à se faire mort. tuer par les Ah. ténèbres. Et a même frôlé la mort. Ah. Mais il a survécu grâce au soin Comme de quoi. Kathleen. Comme quoi, c'est pas principalement nous qui avons activé les ténèbres. Parce que de selon ce qu'elle dit, ça avait déjà emprunté. Mais bisous, je vais chercher de l'eau, on va boire, puis on continuera ce dialogue. Qui était, ma foi, intéressant. Au coup, mais bien, on avait compris que le frangin aussi était venu. Bref. Allez, bisous YouTube. À dans 5 minutes le live. Ouais, 2 minutes, je vais chercher de l'eau, je prends un bonbon. Et je vais aux toilettes. À tout de suite.